Quand la pompe est là, elle est là. La vache. L'Italie sur le canal 19. Et 73-51 tous de Dundee 33. Ça sent bon, ça. Ça sent une bonne journée, ça. Attention, Mika pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, Mika pour Dundee 33 qui t'appelle. Alors, pour expliquer, Mika est du côté de Bordeaux, par là-bas. Il doit remonter sur Blaye. Et moi, ben, je suis 50 km à l'est. D'après ce que j'ai compris, il est en petite configuration petite antenne, je crois. Alors, je suis en train de remonter dans les messages, hein. Ouais, il a une antenne qui est pas très grande. Quoique, sur le push avant, j'avais une Santiago 1200. Et bien, du coup, j'ai de meilleurs résultats avec la Wilson 5000 qui est plus courte. Comme quoi, dans l'humour, la taille ne fait pas tout. Attention, Mika pour Dundee 33, 14 km, 33-01 qui t'appelle. Alors, 015, ah ben, Canal 5. Ouais, j'ai remarqué ça. Les Italiens sont sur le 5 normal et le 5 sup. Tiens. En attendant que ça se débloque du côté de Mika. Oh. Il a des problèmes de digestion, lui. Okay.
numéro 29, buongiorno. Ouais, je crois que c'est l'Italie aussi. Et c'est dommage quand tu demandes à quelqu'un d'ouvrir le poste sur le 11 mètres, il devrait faire en sorte de te faire récupérer toutes les fonctions. Tu vas faire du hors-bande, mais c'est rare. Pirata, 9 plus 10. Allez, mec, il s'éclate. Bon, à retester. Attention, Mika pour Dundee 33, 14 km, 33-01 qui t'appelle. Bon, tout à l'heure c'était la propague était plus basse et là ah si. Canal 8. Ah, c'est crachote. Je vais refaire un test. Attention, Mika pour Dundee 33 qui t'appelle. 14 km, 33-01. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, ça, je serais curieux de savoir ce que c'est, ça. Puis ça balaye les fréquences. Ouais. CQ, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France. CQ, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le département de la Gironde. Thank you.
Le Pas-de-Calais. Sto cacophonie. Attention à la division 16 pour la division 14. Tiens, c'est l'occasion justement. Plus ça va, plus les QSL papier se perdent. Bon, du côté de la poste, c'est pas forcément. C'est de moins en moins évident aussi. Une boîte postale, ça coûte cher. Et donc. Là, on glisse de plus en plus. La transition se fait de plus en plus vers de la EQSL. Alors d'après les recherches et tout. Ah, ça a chuté, hein, Fabrice, c'est complètement parti. Fabrice, une bonne salutation au Golf 557, Fabrice, pour le département 23, avec les bonnes salutations, la bonne continuation, Fabrice, merci. Ouais, observez à droite, à gauche, ainsi de suite. Hein. Apparemment, ce. Le cluster DX pour les EQSL qui serait le qui rassemblerait le plus de monde. Ah, ça a chuté, hein, Fabrice, ça a chuté, le dernier passage difficile, 73. Visiblement, ce serait cluster DX. Alors, il est en point NL. Si on entend quelqu'un derrière. Si. Oh, bravo sur 1-0-3, le département 87 et le prénom est Jean-Claude 14, Roméo Charlie, 5-90, le prénom est Claude sur le 59. Ah, ça refait un petit peu sur la vague.
questa virgolette, e buone cose e grazie tante. Anche Max ha detto che rimaniamo qui a Marco. Sì, come che io per il nome, vado con la prova,14 Romeo Charlie 590 frontière franco-belge à votre écoute. Et 73 la frontière franco-belge du sud-ouest France, le département de la Gironde. Ah, salut monsieur Rémi. Ah, je suis bleu. J'ai failli en tomber de ma chaise. J'ai même pas eu le temps de me présenter. Ah, tu m'as cassé mon cou, là. Les 73-51, toi, le, oui, Rémi, 14 km, 33-01. Comment vas-tu? Ah ben moi aussi hein, de mon côté là c'est du là ça navigue, ça fait un petit peu de yo-yo là. Là au dernier passage c'était du 55 là de mon côté. Ah ben écoute, ça c'est pareil, hein, c'est armé comme ville en ville, comme une tête de brique, et puis là, ben, ça y est, ça a chuté. Hein. Mais bon, c'est la propagande, oui, voilà, en espérant que tout va bien sur Castille en la Mataille. Affirmatif, 24 degrés ici, grand soleil, mais bon, ça va changer, il y a des orages qui sont annoncés. Et pour Gilles, 9 Bravo Charlie 555, eh bien lui, côté radio, il n'est pas chanceux en ce moment. Et là, il n'y a pas de propag, il n'y a rien de ce côté, ou tout du moins pas du côté de la 14. Il y a rien, puisque d'ailleurs, tu vois plus de vidéos de partager là en ce moment, quoi. Ouais, c'est bien dommage, mais bon, c'est pas grave. On fait avec. Ça fait partie des aléas et des plaisirs de la radio. comme je dis à chaque fois, on est dans un monde où tout doit être millimétré. Là, c'est la totale improvisation. On sait pas sur qui on va tomber, ceci, cela. On répond à un appel, comme là, par exemple. Et puis là, waouh! Ça y est, c'est des retrouvailles, c'est ceci, c'est cela. C'est génial. Détrompe-toi. Whoop. Ah, je crois que ça a chuté.
Si, ça passe encore un peu, mais c'est très 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 QRP là de mon côté. Je suis aussi en train de faire une vidéo. Alors du côté des routiers, du Cal 19 et tout ça, si en ce moment là il y a une nouvelle vague là qui arrive là sur le 19, donc ça commence à bien bouger là en ce moment. Ouais. Bon, là effectivement là c'est la propague a l'air de tourner d'une autre côté. Bon, si tu m'entends pas, c'est pas bien grave, tu pourras voir ça dans la vidéo. Hachi, merci de m'avoir répondu. Les 73-51 à toi, bon DX et bah à plus tard. Et bon gastro pour tout à l'heure parce qu'il est déjà midi moins 10 là ici. Ah ça y est. Ok Claude, puisque ça passe, j'en profite alors vite fait. Alors pour les jeunes et tout ça, c'est à nous de leur montrer aux jeunes comment ça fonctionne et tout, et l'intérêt, les côtés super positifs de la radio. C'est voilà, pour leur montrer qu'il n'y a pas que le téléphone portable qui existe sur Terre, loin de là. Il y a aussi la radio, la CB, il y a tout ça. Et ça, si on ne leur montre pas, c'est pas eux qui iront voir. Donc c'est à nous tous de leur montrer aux jeunes comment ça se passe là-dessus. Et là, tu verras qu'ils seront tous surpris. Hein. Ils seront tous surpris de découvrir ce monde accueillant, déjà, pour commencer. C'est et où on va à la pêche quoi. Ok, je te laisse continuer avec tes contacts. Merci pour ce petit QSO 73-51, bon gastro pour tout à l'heure. Ah j'ai et on me réclame d'un autre côté. Ok, merci, à plus. Hachi 3 coups, 73 en tournée. Ça, c'est du bonheur, ça. Se fait assaillir. Romeo Charlie 116, Nicolas, bonjour à toi Nicolas, ici c'est 16. Je ne vais pas rajouter, c'est pas la peine. J'aurais bien sauté dessus pour répondre, mais bon, il y a déjà pas mal de monde. Ça ferait que rajouter du bordel à la fréquence. Et puis zut, il est... Ouais.
parce que midi. Ouais, bon. Ouais. Ouais. Oh, c'est pas mon ami Dracar, ça. Les 73-51 Dracar de Dundee 33. Ah, il m'a pas entendu. Je crois que c'est lui. Bon, petit clin d'œil sur autre chose. Ouais, j'ai donc petit clin d'œil sur autre chose. Sur les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'on a le même, qu'on n'a pas le même avis que forcément ça veut dire qu'on est fâché. Hein. C'est. Faut arrêter avec ça, hein. Faut arrêter d'être aussi susceptible. Hein. C'est. On n'a pas le même avis et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Hein. Si on était tous d'accord, la vie deviendrait ennuyeuse. On a des avis différents et bien ça permet de jauger le plus, le moins. Eh, terme, demande encore. Le plus, le moins d'un côté, de l'autre. Comprendre pourquoi la personne n'est pas d'accord et ainsi de suite. Tout ça, ça s'appelle échanger. Ça s'appelle pas déclencher une guerre complètement stupide. Ouh, ça remonte, ça remonte. Bon, fin de cette petite parenthèse. Attention, Dracar ou Nounours pour Dundee 33 qui vous appelle. Oh, ça passe très très QRP là de mon côté. J'ai pas eu Roger, mais bon, au cas où tu m'auras entendu, les 73-51 retournés. Dracar. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 33-01 par Interumi, qui lance appel depuis le département de la Gironde, Sud-Ouest France. Je suis bleu, vert, tout ce que l'on veut. Les autres, les copains qui le baguent, ils font tous des QSO avec d'autres qui le baguent ici. Et
Puis là, je suis en train de faire mon calumero. J'en arrive à en avoir aucun, ouais. Bon. La propague a tourné. Ah, 62. Le 73-51, département 62, du département 33, 14 km, 33-01. 14 km, 32-01, bonjour à vous, 14 km, 62-37, à l'écoute. Ah super, les 73-51 de Rémi, et voilà, d'Andy 33 sur le département de la Gironde, 14 km 33-01. Voilà, j'étais tout à l'heure sur la fréquence moniteur, personne, je remonte à l'étage, voilà, j'arrive enfin à voir un kilomètre. Ok, merci pour le retour. Bon, ça fait un peu le yo-yo, effectivement. Ça tourne autour de 43, 54 au niveau signal. Voilà. Alors, les conditions de trafic, là, de mon côté, bon, c'est le petit Yazoo FT450AT. Sur antenne verticale Sigma Mantova 8. Là, je suis au QRA, là, en ce moment même. Et côté WX. Eh bien, c'est un soleil qui se voile de plus en plus avec une température de 24 degrés là ici. Ça fait le yo-yo. Ok, merci pour le retour. C'est compliqué là de mon côté là de pouvoir te sortir. Ça fait le yo-yo. Et le yo-yo en bas. Donc c'est vraiment, j'ai pas eu Roger de tout. J'ai pris simplement là quelques brides. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de t'avoir enfin en QSO. Ça, c'est bon. Ça, c'est du bonheur. c'est super. Mais autrement, là, de mon côté, je suis un petit peu mal installé aussi. Hein. Je suis dans une cuvette, en plein milieu des vignes. Alors, je te dis pas, les vapeurs d'alcool avec les vignes commencent à me foutre du QRM. Non, je déconne. Hachis trois coups. Non, là, ça va. Côté QRM, là, aujourd'hui, ça va. J'en ai pas trop. Juste un petit peu pour me dire que le poste est bien branché à l'antenne. Voilà. Alors, le département 62, c'est tout là-haut, ça. Ouais, c'est ça, oui. Eh ben, tiens, c'est début septembre. Je serai de retour, là, sur le 62. Ouais, c'est ça. Début septembre, je retourne sur le département 62. J'ai pas eu Roger, j'ai pas eu QSL.
Excuse-moi, bon, c'est pas grave, je vais pas te faire répéter 50 000 fois, je suis en train de te perdre. Là, je pense que tu m'as demandé si j'étais en repos aujourd'hui. Alors oui, affirmatif. Là, j'ai quelques jours de repos, sauf changement de planning de dernière minute, hachis. Voilà. Bon, je vais pas te faire répéter 50 000 fois, parce que là, je suis complètement en train de te perdre. Et là, je radote, hachis. Je t'ai envoyé les bonnes 113-51. Merci pour ce contact de la part de 14 Kilomac, 33-01, Rémi, Dandy 33, sur le département de la Gironde. Et encore merci de m'avoir répondu. Faut que j'écoute la vidéo. Ok, merci, bye. Faut que j'écoute la vidéo pour retrouver les indicatifs. Oui, un petit peu l'intérêt de faire des vidéos aussi. Ça permet de pouvoir réécouter et arriver à récupérer les indicatifs. Alors pour ma part, puisqu'on on va de plus en plus vers du EQSL, alors j'essaie de me tenir à jour au niveau de cluster DX. Alors à côté de ça, j'ai un fichier Excel que j'ai partagé déjà un peu partout. Où là j'ai fait un super tableau. Je me jette des fleurs. Au moins, on n'est jamais si bien salué par soi-même. Et où je rentre les contacts dedans. Bon là, c'est une petite discipline qui est pas si simple que ça à faire. Ceux qui font ça couramment, c'est de la broutille. Alors, marquer les indicatifs et tout ça, j'ai eu fait ça dans les années 80-90. Alors, marquer les indicatifs. L'échange de QSET et password. J'ai eu fait ça déjà dans les années 80-90, puis après, bon. Même si pour ma part, je n'ai jamais arrêté la radio, la CB, les échanges de QSL, ben ça s'était arrêté comme ça, quoi. Avec la chute du cycle de propagne. Mais bon, aujourd'hui, de plus en plus de monde va vers ça. Marquer les indicatifs et tout ça. Et puis, ok. On va aller de plus en plus vers du EQSL. Après tout, pourquoi pas? Faut bien évoluer. Bon, moi je suis têtu, je vais insister un peu plus là. Oh oh! Non, je sais pas. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Kilomac, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde. Je sais que je suis assez fort actuellement, donc aucun problème.
Et voilà, donc, à condition, question géographie, je suis dans le nord-est de la Belgique, c'est la province de la Bourg. Ah, j'aurais cru qu'il était au Portugal. Bon, en principe, c'est la partie néerlandophone de la Belgique. Mais comme tu entends bien, j'adore parler le français, il n'y a aucun problème. Je suis 40 km nord de la ville de Liège. Il envoie du steak, hein. Comme ça, je suis très proche de l'Allemagne également. Ok, donc voilà, micro de retour à toi, 14-26, 7-7, Marco en Belgique, qui t'écoute avec grand plaisir, Christelle. Waouh, ça passe. Qu'est-ce que c'est? Alors là, par contre, bon, c'est que mon avis, hein. Mais ils seraient, eux seraient mieux du côté des 40 canaux. Dans mon idée de la Sibie, c'est des 40 canaux homologués, bon, tout mode, évidemment, bien sûr, mais en privilégiant les modes AM/FM et garder les sup uniquement pour la BLU. USB et également LSB, parce que les habitudes ont fait que c'est surtout l'USB qui est utilisé, mais l'LSB fonctionne très très bien et même parfois mieux même. Évidemment, le blabla que je viens de faire, c'est surtout pour ceux qui découvrent la radio, la Sibie. Pour les autres, je me permettrai pas, j'ai rien à leur apprendre. Je dis ça parce qu'il y en a, ils sont tellement chatouillés aujourd'hui. Hein. Ouh là là. Ben je crois que... Il est quelle heure? Oh! Casse-croûte! Ouais. Je vais me mettre là. Et... Ben, à tout à l'heure. Du coup, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps d'y manger, j'ai entendu Barracuda. Ah, attention, Barracuda 56 pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, Barracuda 56 pour Dundee 33 qui t'appelle. Oh, je te vois, je reconnais. Attention, Barracuda 56 pour Dundee 33 qui t'appelle.
Bon, ok, je retourne le casse-croûte. Bon, déjà de retour. J'ai fait vite. Quand les copains sont là. Ou puis là, zut. Attention, Barracuda 56 pour Dindy 33 qui t'appelle. Il y a quelque chose, hein, mais c'est dans le fond de la boîte. Hop. Attention, Barracuda 56 pour Dindy 33 qui t'appelle. Je crois que là... Alors que vu l'heure, ils sont tous gastro. Hein. Peut-être même le probag aussi. Non, la probag est là. Bon, c'est pas la peine, on va pas les déranger. Waouh. Ça filtre, hein. Là, on a vu la différence. Hein. J'ai aussi un truc DSP ici, mais ceux-là, j'arrive pas. J'arrive pas. Thank you.
Ah ben zut. Ils sont où? Ils sont où? C'est vrai que les fiches des descriptifs de matériel. Surtout la bande passante là, de l'antenne. Et qu'est-ce que je vous dire? Je pense que la salle directe, si on me confirmera ça, je pense que la salle élément, il me semble qu'elle est en attaque directe. Voilà, Jean-Louis, c'est 374-346, écoute. Ouais, quand on regarde les fiches techniques sur Internet des fabricants, il y a des trucs où. C'est invraisemblable. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'arguments de vente derrière. Des fois, quand on voit des. Une antenne verticale, quand on voit des antennes demi-ondes qui vont avoir plus de dB qu'une 5/8 ou 7/8. Et là, il n'y a pas tout compris, là. Donc, vaut mieux regarder les avis sur auprès de des uns des autres sur les forums avant d'acheter quoi que ce soit. Bon, petite baisse de forme. Et ça repartira. Zut, j'ai QSSTV qui est lancé à côté. Il a commencé à me prendre quelque chose. Zut, c'était où? Il y a un bout de je sais pas quoi là, qui est apparu là sur l'écran. Italie. Est-ce que des fois
À cette partie-là, évidemment, je ne touche pas au micro. Hein. Je ne suis pas indicativé. Juste SWL. Bon, j'entends rien. Je cherche à voir s'il y a un peu de faire le curieux, quoi, de un petit peu de SSTV. Il y a un truc là qui m'a... Non, c'est rien. Oui, j'ai un copain radio amateur qui lui arrive à faire des QSO. Zut. Par là. Bon, il est radio amateur maintenant, donc il a le droit. Et j'ai jamais entendu personne de ce côté-là. On sait qu'on en fixe, quand un filtre passe bas, de brancher, vaut mieux s'assurer qu'il prenne bien de 50 mégas. Le mien, oui, ça va. Alors, c'est un Comet Antenna CF50MR1. J'ai pas la chance avec moi. Alors, la bande 50 mégas, je connais pas la plage de fréquence pour les radios amateurs. En tout cas, le copain en question qui est radio amateur m'a fait écouter justement. Pas de QSY. Je pensais que la propague avait une baisse de forme, mais en fin de compte, non. C'est les OM qui ont une baisse de forme. Bon, vu l'heure, c'est bien normal. Ah, ça revient un peu. L'heure, ça va être plus fin d'après-midi, début de soirée. À ce moment, la propague a l'air de faire la sieste l'après-midi. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Aïe. C'était quoi, ça? Je trouve pas. One Italy. Ah.
CQ, CQ, CQ DX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le département de la Gironde, sur le sud-ouest de France. Attention, Barracuda 56 pour Dundee 33 qui t'appelle. Non. Il y a un hélicoptère qui est en train de passer au-dessus de la maison. Imaginez le coup avec un ampli derrière. Ah, quand même, Brésil. Bon, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Déjà les clics qu'on entend là, c'est que je suis déjà en train de commencer à la travailler. Ah.
Après bip. Qu'est-ce que j'aime pas rester bloqué sur une fréquence. Toujours l'impression de rater quelque chose quelque part. Je fouille, je vais à la pêche. Propagé là, j'ai le QRM qui monte, voilà. Et les EM sont absents. Entre ceux qui travaillent et ceux qui font autre chose, on peut pas être partout. Pour ma part, j'ai la chance d'être en repos aujourd'hui. Bon, ben je pense que je vais arrêter là. Du moins pour la vidéo. Ouais. Et sinon, bah, à tout à l'heure.